un jour, il a dit à sa petite sœur, « Martumsula, ma petite sœur, je vais partir pendant 7 jours à la chasse. Mais pendant mon absence, ne sors jamais de cette maison. N'éteins jamais le feu, ne renverse jamais l'eau, ne t'avise pas à chasser le coq en disant « Oust !» ni le chat en disant « Pile !» En fait, j'habite à Paris depuis 12 ans maintenant. Je suis venue à Genève parce que j'ai participé dans pas mal de concerts, de projets, dans le festival d'Asie intérieure. Kadar köymez seçkim, divana dolmam önce, şamda yanmaz seçkim. En fait, festival d'Asie intérieure, ça m'a permis de vraiment présenter ma culture à un public suisse, enfin surtout à Genève. On m'avait dit qu'il n'y avait pas depuis plus de 10 ans, il n'y avait pas vraiment un événement qui présentait vraiment la culture ouïghour. À ma question, je voulais que tu nous parles de la vision d'une manière générale de la réception par le public de ce type de programmation et éventuellement l'infléchissement que tu as donné à ta programmation. D'accord. Il y a des phénomènes de mode. Il y a des périodes où tout le monde allait écouter des musiques d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Il y a une grande mode de l'Inde. Il y a évidemment une mode pour les musiques tziganes. Il y a comme ça des mots magiques. Si on met tzigane, chaman, derviche, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Soufi, comme ça. Ce genre de mots dans le titre d'un concert, on peut être rassuré qu'on va remplir la salle. Et puis il y a d'autres mots qui ne marchent pas. Griot, peut-être, c'est un mot qui peut marcher aussi. Et il y a des cultures qui frappent l'imaginaire de pas mal de gens, celle que je viens de citer. Et puis d'autres qui frappent pas beaucoup l'imaginaire. Voilà, on parlait du Xinjiang, le Turkestan chinois. Immense province musulmane du nord de la Chine, une taille comparable à celle du Tibet. Devenir d'une culture comparable à celui de la culture du Tibet et d'une population. Mais tout le monde se lamente sur le pauvre peuple tibétain et personne ne se lamente sur le pauvre peuple ouïghour qui subit exactement le même destin. Donc il y a comme ça des... C'est aussi les médias qui font que certaines cultures présentent une résonance. Aujourd'hui, si on parle du monde arabe, on voit le déposeur de bombes. Et on oublie qu'il y a une culture arabe qui est prodigieuse, qui est...